Au Nigeria, au moins 50 personnes ont été arrêtées samedi dans la capitale Abuja lors des manifestations contre la cherté de la vie, selon Amnesty International. Près de 700 manifestants ont été arrêtés à ce jour dans l'ensemble du pays lors de ces événements où 9 policiers ont été blessés, rien qu'en 3 jours, selon la police nigériane. La grogne sociale est suscitée par la flambée des prix des denrées de première nécessité, des allégations de corruption et de mauvaise gouvernance formulées par les manifestants. Des journalistes auraient été pris pour cible par des projectiles de la police. Au moins 31 cas d'attaque contre les journalistes, dont 11 arrestations, ont été enregistrés à ce jour, depuis le début des manifestations contre le coût de la vie, selon le Centre pour l'innovation et le développement du journalisme. Amnesty International parle d'au moins 9 manifestants tués par les forces de sécurité, mais la police indique plutôt 7, tout en déclinant la responsabilité.